vidéo s'adresse aux babies. Je m'occupe de votre 4e séance. Nous allons faire tout ce qui est renfort musculaire et remise en forme. Nous allons aussi voir au revoir pour certains le Dwichagi et le Abchagi. Vous aurez besoin de l'aide de vos parents, de vos grands frères ou grandes sœurs si vous en avez. Pour cela, vous allez vous équiper d'une bouteille d'eau pour vous hydrater. Vous aurez besoin aussi d'une raquette. Si vous n'en avez pas, un coussin peut le faire. Et aussi d'un drap ou d'un truc pour vous mettre en confort au sol. Allez, c'est parti. Commençons. Et 3, et 2, et 1. Commençons cette vidéo. On commence par quoi, les enfants? Le salut et toujours le salut. Allez, ciao. Kyone. Ici, on commence par pointe de pied en avant. C'est parti. Na, tul, se, ne, na, tul, se, ne. Respire. Allez, on est content, on est joyeux. J'espère que vous allez bien pendant ce temps de confinement. Allez, on essaie d'accélérer. Na, tul, se, ne, na, tul, se, ne, na, tul, se. Allez, plus dur. On essaie de monter légèrement maintenant. Na, tu, se, na, tu, se, na, tu, se, na, tu, se, et bien. Encore plus dur. On essaie de monter le plus haut possible. Allez, c'est parti. Na, tu, se, na, tu, se, na, encore. Na, tu, se, et bien. Chio. Respirez. Allez, on tourne les hanches. Na, tul, se, et ne. De l'autre sens. Na, tul, se, et ne. Shio. Ici, tchaleo. Ici. Na, on écarte les bras et les jambes en même temps. Et on revient tchaleo. Encore. Na, tul, na. Tul, na, tul. C'est bon, vous êtes prêts, c'est parti. Na, tul, se, ne, na, tul, se, ne. Compris, pas compris? Allez, c'est parti, on fait ensemble. En même temps, d'accord? Allez, na, tul, se, ne. Encore, na, tul, se, ne. En même temps. Encore. Hana. Tul. Se. Ne. Dernière fois. Hana. Tul. Se. Ne. Come on. Tournez les hanches. Respirez. Tul. Se. Ne. De l'autre sens. Hana. Tul. Se. Et net. Allez, prochain exo. Ciao. Prochain combat, qui est-ce que tu mets? Sautille. Alors, ce qu'on va faire, c'est donner des coups de poing le plus rapidement possible avec les deux poings. D'accord? Si vous êtes là, prochain combat, ouais, vous criez fort. D'accord? Ici, va, 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 le plus rapidement possible. Et celui ou celle qui gagne pourra comprendre en récompense ma ceinture noire. D'accord? Je compte sur les parents pour envoyer les messages. Sur ce, on commence. Plus rapidement possible, plus vite que moi, d'accord? Allez, position de combat, on sautille à mon commandement, le plus rapidement possible. Allez, vous donnez toute votre force, toute votre rage, d'accord? Sautille. Chio! Soufflez! Soufflez, allez, on change de garde. L'autre côté, bien sûr, pareil. Allez, on sautille. On sautille, on sautille. Prêt. Si, tiens. Chio. Respirez. Changement de garde. Allez, on sautille. Encore une fois. Sautille. Si, tiens.
on change de gars. Alors, sauti. Une dernière fois. Allez, si. Tiens. C'est bien. Dommage, j'ai perdu. Je donnerai ma ceinture, malheureusement. Bon, c'est la vieille époque. Hein. Au revoir. Hein. Wouh. Allez. Allez, boire et on se retrouve tout à l'heure pour le prochain exo. Ok, on revient. On prend pas tout notre temps, on revient. Prochain exo. Ici, tiens là. Chumbi. Chuchum seke kia. Prêt, on se met bien chuchum seke, d'accord? Baissez sur vos appuis, bien comme il faut. Ok? Deux points au niveau des hanches. Ok? Si vous avez votre ceinture, mettez votre ceinture pour avoir où. Mettre la ceinture. Pour avoir le lieu et l'emplacement pour mettre les points, d'accord? Ici, ce qu'on va faire, c'est Hana, on va toucher le sol. Tul, on va se relever en chuchum sigi. Et là, deux coups de poing, commencer avec le poing gauche, d'accord? Ici, Hana, Tul. Et on revient en chuchum sigi. D'accord? Ici, Hana, au sol, Tul. Directement en chuchum sigi, deux coups de poing au niveau des hanches. Et là, Hana, Tul. Et on revient. Compris ou pas compris? Compris. Allez, on commence. Hana, Tul. Ok, Hana, Tul. Et là, je donne 7 et vous faites les deux coups de poing, d'accord? Allez, Hana, Tul, 7. Avec Kia, ok? On ramène. Hana, Tul, 7. On ramène. Hana, Tul, 7. Et on ramène. Et on ramène. Hana, Tul, 7, bébé. Et on ramène. Ok, Shio, respirez. Allez, secouez les jambes. On respire. Cette fois-ci, on essaie d'aller plus rapide que moi. Compris? Allez, Chuchum Sugi. Tiens. Allez, Hana, Tul, 7, bébé. Toujours avec commandement, d'accord? Ici, on y va. Hana, Tul, 7. Et on ramène. Encore. Hana, Tul, 7. Et on ramène. Hana, Tul, 7. Et on ramène. Encore. Hana, Tul, 7. Et on ramène. Ok, ici, tournez les hanches. Soufflez, respirez. Allez, une dernière fois. Allez, c'est parti. Maintenant, avec un commandement, vous faites le tout, d'accord? Je monte. Ici, tu trouves ce qui. Hé! Hana, un commandement, vous faites tout. Je fais. Hana. Hé, hé! Compris, pas compris. Allez, c'est parti. Fais avec moi. Vous êtes prêts? Je donne un commandement, vous faites le tout. Hana! Et on ramène. Encore. Hana. Et on ramène. Encore. Hana. Et on ramène. Encore. Hana. Et on ramène. Une dernière fois. Prêt. Faites bien. Je vous vois. Encore. Et on ramène. Shio. Respirez. Allez, détendez le corps. Tournez les hanches. Et à sautiller. Shio. Allez boire et revenez. Allez, dernier exo. Courage. Bientôt fini. Ici, on se met en chaleur. Après, on va se mettre sur le ventre, par terre. Hop là. Ensuite, on va tourner sur la gauche. Hana. Et ensuite, on se relève tout de suite en chalot.
D'accord? Ensuite, toule, vous remettez sur le ventre. Cette fois-ci, vous tournez de l'autre côté, à droite. Tac. Et vous relevez tout de suite en chaîne. Compris, pas compris? Allez, compris. Allez-y. On y va. Chaya. Hana, vous mettez au sol. Hana. Sur le ventre. Toul, vous tournez à gauche. Toul. 7, vous mettez debout directement seul. Voilà. Encore. Hana, au sol. Toul, à droite maintenant. 7, debout. Voilà. Compris ou pas? On y va. Chalio. Hana, au sol. Toul, à gauche. 7, debout. Encore. Hana. Sol, toul à droite, 7, debout. Allez, on essaie de faire son commandement ou pas? Oui, non, d'accord. On va faire au moins avec commandement. Un commandement, vous faites le tout, d'accord? Et vous relevez en chalio et vous attendez, ok? Prêt, chalio. C'est parti, hana. Tac. Voilà, oups, faut pas tomber. Oulala. Chalio, on attend chalio, d'accord? Fallait plus rapide que moi. Allez, on y va. Hana. Hop. Hop là. Hop. J'ai gagné ou pas? Oh mince. T'as été plus rapide que moi. Allez, encore. Hana. J'ai gagné. Wouhou. J'ai enfin gagné. Yes. Allez, sérieux, encore. Hana. Ah, c'est bon, ça suffit. Allez, chalio. Yone. Allez boire et on se retrouve tout de suite. Allez, maintenant on va travailler tout ce qui est technique. Maintenant, prenez quelque chose de confortable pour vous aider. Hop là. Ici, je vous attends. Mettez-vous au sol. Allez, on se prépare. Hop là. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va travailler maintenant le duit, le duchagi. Vous connaissez, c'est un coup de pied de cheval. Donc, on va se mettre comme ceci pour travailler le duchagi, d'accord? Pour cela, vous allez avoir besoin de l'aide d'une personne quelconque. Il va venir vous aider à tenir... les objets, voilà. Si vous avez une raquette, tant mieux. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Sinon, un coussin peut le faire. Donc voilà. Il va s'asseoir juste là. Par contre, faites pas mal. Faites pas trop mal non plus. Hein. Donc voilà, il va se mettre comme ça, la personne, juste assis, tranquille, et tenir l'oreiller comme ceci face à lui. Donc voilà, comme ça face à lui. Pas trop près, pas trop loin. Voilà. Hop, sinon on va se mettre comme ça. J'avance un peu. On va se mettre comme ceci pour travailler le duit. Ok? Quand vous allez donner un coup de pied, par exemple, on commence avec la jambe gauche, d'accord? On commence avec la jambe gauche. Ici, on va lever légèrement le genou pour pas qu'il touche le sol. Et ensuite, regarder au même côté où le coup de pied va se détendre, d'accord? Ici, je regarde à gauche. Sur l'épaule gauche. Ensuite, si je fais l'autre coup de pied, on regarde de l'autre côté, sur l'épaule droite. Ok? On revient. La gauche maintenant. Tac. On lève légèrement. On ramène au niveau du ventre. Et on tend, on essaie de... On regarde ou on touche d'abord. Ok? Et on touche l'oreiller. On frappe pas comme des brutes. On touche l'oreiller et on ramène. D'accord? L'autre côté, pareil. On regarde. On tourne pas trop le corps, d'accord? On garde les épaules droites comme il faut. Et on tourne juste seulement la tête, d'accord? Ici, on va à droite. On tourne la tête sur l'épaule droite. Et on tend la jambe droite. On ramène. Maintenant, la gauche. On tend la jambe gauche. Ok? Ici, on ramène. La droite. On tend la jambe droite. Et on revient. Ok? Vous faites ça plusieurs fois. Et quand vous l'avez, c'est nickel.
Sinon, prochaine étape, si vous arrivez à faire ça, la personne avec moi, on va se lever. Hop, on met de côté le drap. On se lève. Dès que vous avez compris ça, donc il va tenir, hop là, l'oreiller, le coussin comme ceci. On va se mettre en position de combat. Vous êtes face au combattant, d'accord? Vous êtes face à l'adversaire. Là, vous regardez l'adversaire. Ici, vous allez vous mettre dos à l'adversaire, d'accord? La jambe qui était en arrière, c'est lui qui va venir toucher le coussin, d'accord? Étape par étape, on lève la jambe et on tend, on tourne pas, d'accord? Oula! Si vous avez quelqu'un d'autre pour vous aider à vous tenir, faites-le. Ensuite, vous êtes là et vous tendez la jambe et vous revenez. D'accord? Ici, étape par étape. Tac, on est ici. On tourne le corps d'abord. Première étape. C'est fait? Ici, la jambe qui est devant maintenant, elle se lève et vous allez tourner seulement la tête et toucher l'oreiller et ramener devant. Ok? On se met plus loin si c'est trop près. Position de combat. On est face à l'adversaire. On tourne, on tourne, on tourne au niveau du ventre. Pas dans le dos, d'accord? On tourne au niveau du ventre. On regarde de l'autre côté. On lève la jambe qui est de devant. Qui est devant. Et on tourne, on tourne pas les épaules, d'accord? On garde les épaules de face vers l'autre côté de l'adversaire. Et là, on tourne, on essaie de toucher. Et on ramène, d'accord? Allez, on essaie de faire l'autre jambe. Ici, position de combat. On tourne. Ensuite, on lève. On lève la jambe. Hop. Et on va toucher. Et on ramène. Et on pose, d'accord? Si c'est trop dur de ramener devant, donc vous faites ça. Position de combat. Vous êtes là. Vous ne tournez pas trop l'épaule. Ici, on garde l'épaule droite. On touche. Et on pose devant l'adversaire, d'accord? Si c'est trop dur pour ramener derrière, on pose juste devant. Allez, on refait. Première étape. Position de combat. On tourne par le ventre. On garde les épaules droites. La jambe de devant, elle vient toucher l'oreiller, d'accord? Et là, si on n'arrive pas à ramener, on pose devant. Compris? Allez, encore, position de combat. On tourne, tourne, tourne. Top, on bloque l'épaule, d'accord? On tourne juste la tête. Tournez la tête. On regarde d'abord où on va frapper. La jambe de devant, elle vient toucher l'oreiller. Toucher, d'accord? Et là, on pose. Ok? Pour ceux qui arrivent, vous remettez la jambe où elle était, d'accord? Vous êtes comme ceci. Vous tournez, bloquez. Tournez seulement la tête. Touchez avec l'oreiller, touchez l'oreiller et ramenez le pied en arrière. Compris? Allez, en fait, le garde, position de combat. On tourne par le ventre, on bloque les épaules. On tourne la tête, la jambe qui est de devant. On va venir toucher l'oreiller et poser devant. Pour ceux qui arrivent, reposez derrière. D'accord? Allez, position de combat. On tourne, 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 hop, bloquez les épaules. On tourne la tête. La même jambe, le même côté où est la tête, la jambe, elle va venir toucher. Hop, et on remet, et on revient. Voilà. Voilà. Si vous travaillez ça, plusieurs fois, et ça va venir, d'accord? Allez, prochain coup de pied, on va prendre le Hapchagi. Alors, le Hapchagi, reprenez le drap. Hop là, on remet au sol. Cette fois-ci, on va se mettre assis, d'accord? Ah, c'est confortable, hein? Ici, vous êtes là, les pieds allongés, ok? Hop, les pieds allongés. Ici, les pieds sont normaux, d'accord? Le Hapchagi, il faut sortir le Hapchuk. Le Hapchuk, vous savez, c'est quoi? C'est le en dessous des orteils, juste ici. Clac, d'accord? Allez, ici on est là, on va mettre les pieds en pointe. Donc on pointe, d'accord? On pointe, on pointe, on pointe, on force, d'accord? Sur les pointes de pied. Et ensuite on va lever
juste les doigts de pied. D'accord? Ça, vous allez sentir de toute façon tirer un peu sur le muscle des genoux et derrière les cuisses un peu. Voilà. Je compte sur vous, les parents, pour vérifier s'ils font très bien le boulot. D'accord? Ici, on se met encore en pointe. Pointe de pied. Allez, en force, en force, en force, en force. Pointe. Et là, on lève juste les doigts de pied. Les doigts de pied, les doigts de pied, les doigts de pied. Ok? On se remet en pointe. En pointe. Oui, je sais, ça fait mal. Mais il faut bosser, d'accord? C'est bientôt fini. Et là, on lève juste les points de pied. Les doigts de pied, pardon. Voilà. Dès que vous avez compris ça, ici, on va se mettre comme ceci. On va se mettre comme ceci. Ok? On lève les fessiers, ok? Le plus haut possible. Ici, on va lever les fesses. Là, on va lever un pied. Et là, apchagi. Ok? Et on revient. On lève toujours les fesses. Hein? L'autre pied, apchagi. Et on ramène. Pas trop haut pour l'instant, d'accord? Ici, on est là. Apchagi. On sent bien les doigts de pied. Et on ramène. Encore. Apchagi. Et on ramène. Encore. Apchagi. Et on ramène. Encore. Apchagi. Et on ramène. Pour ceux qui arrivent, bah plus haut. Allez hop, c'est parti. Encore. Apchagi. Et on ramène. Apchagi. Et on ramène. Apchagi. Et on ramène. Et chiot. Prochaine étape, si on arrive à faire ça, on met le drap de côté. Encore. Hop là. On appelle quelqu'un pour nous aider. Cette fois-ci, si vous n'avez toujours pas de raquette, ben c'est pas grave. Vous prenez un coussin. Tiens, il va tenir comme tout à l'heure. Ici, bien en face. Position de combat, ok? C'est la jambe de derrière qui vient frapper, ok? Ici, vous allez d'abord lever le genou. Très important. Yep. Levez le genou. Et ensuite, essayez de tendre. Ok? Et ramener. Et reposer en arrière. Si c'est trop dur, vous donnez le coup de pied, ramenez et posez devant. Ok? Et revenir en position de combat. Alors, étape par étape. Position de combat. Levez. Tendre. Ramenez. Et posez. Compris? Allez, position de combat. On lève la jambe, on essaye, d'accord? Si vous arrivez, on essaye de garder la jambe sans le tenir, ok? Gardez la jambe en hauteur pendant quelques secondes, ramenez et posez, ok? Si c'est trop haut, bah qu'il le baisse légèrement. Si c'est trop bas, bah qu'il le lève. Faut pas trop haut non plus, hein, parce que... Moi, j'arrive pas encore là-haut. Hein. Là, ça suffit pour moi. Ici, même encore plus bas. Ici, position de combat. D'accord? La jambe de derrière, elle se lève. Hop. Ensuite, on tend, on ramène et posez. Ok? Allez, encore. Levez, tout, tendre, serre, ramène et reposez. Ok? Encore une fois. Tout, set et net. Ok, changement de garde directement. Ici, on lève. On garde l'équilibre. Position de combat toujours. Set, tout, set et net. Compris? Allez. Hana. Tout, set et net. Encore. Hana, on lève. Tout, on donne. 7 et net. Ouais, vous avez réussi. Nickel. Cette fois-ci, on essaie de faire sans commandement. Si vous n'arrivez pas à tenir, c'est pas grave. Vous faites le coup de pied bien comme il faut, d'accord? Avec un temps de pause. Ici, hop. Voilà, ok? Serrez bien les muscles, ok? Si on est là, avec un commandement, c'est parti. Là. Ok? Et on ramène. 2,
Et on ramène. C'est. Et on ramène. Mais. Et on ramène. Allez, changement de garde. Allez, là. Et on ramène. Tout. Et on ramène. C'est. Ramène. C'est. Et on ramène. Allez, changement de garde. Si vous arrivez à faire ça, tranquille, vous bossez ça chez vous, encore et encore, pour que ça soit parfait. D'accord? Allez-y, je compte sur vous.